Je vous donne rendez-vous ce mois pour une nouvelle émission avec en success story une femme au parcours exceptionnel, Audrey Chicot, une comptable devenue manager d'une entreprise dans l'industrie lourde. Elle nous raconte dans son parcours dans la rubrique Success Story. J'ai commencé mes études primaires à l'école publique de Nkomondo, évidemment. Ensuite, au secondaire, j'ai été au CSTC de Bounandoumbe, à l'époque où il y avait encore des Français. J'ai été la première fille présidente d'une coopérative scolaire d'un établissement mixte du Cameroun. Que les jeunes arrêtent de se plaindre en permanence. Surtout, j'exhorte la jeunesse camerounaise à ne pas se contenter de la facilité qui veut qu'ils aillent seulement vers les métiers d'enseignement général. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir une très grande pénurie dans l'industrie. On peut industrialiser le Cameroun, si on n'a pas la main d'œuvre qui va avec, on est mort. Je vous invite à découvrir également le métier d'ingénieur, ceux pour qui il y aura toujours du travail au Cameroun. Selon Kizito Ngwa, le président de l'Ordre des ingénieurs, c'est en sa compagnie qu'on découvrira le métier du mois. Le Cameroun est un pays en chantier. Le Cameroun est un pays en développement. À partir de là, on aura toujours besoin d'ingénieurs. Quoi que l'on dise, et dans tous les domaines possibles. Donc que les jeunes n'hésitent pas. S'ils veulent, ils contactent des autres professionnels, ils se renseignent, ils vont vers les écoles professionnelles ou les écoles d'ingénieurs, ils se renseignent, ils verront que c'est le plus beau métier du monde. À suivre également dans cette 26e émission du magazine Carrière, la rubrique coaching avec Roland Comen qui nous dit comment notre attitude détermine notre altitude. Si la vie était une formule arithmétique, je vous dirais A plus A égale A. Le premier A, c'est notre aptitude, donc les connaissances et les compétences. Elles sont essentielles. Mais cependant, nous aurons besoin du deuxième A, l'attitude, notre état d'esprit. Alors, si nous avons la bonne attitude additionnée à la bonne aptitude, alors nous gagnerons en altitude. Carrière est la première émission télévisée camerounaise consacrée à la valorisation des success stories, à l'orientation des jeunes et au développement des compétences. Carrière, tous les mois. Sur Canal 2 International, présenté par Didier Bertrand Bouga, réalisé par Alain Fondé.